de finir la dernière manche d'entraînement pour le Mérida Master qui cette année va se dérouler dans des plans d'eau, la rivière étant impraticable, la végétation a complètement envahi et on n'a pas pu pêcher là-bas. Mais ceci dit, ce sera certainement des très très belles pêches, de petits poissons difficiles, des petites carpes, mais enfin bon, je pense qu'on va tous s'amuser. Il y a 80 participants, ça va être encore une très très belle épreuve. J'en profite pour vous présenter la nouvelle gamme d'hameçons Yo Hero by Milo. Alors une gamme très très complète avec tout d'abord des hameçons pour le feeder, trois sortes de spécimens pour la carpe et pour la rivière, trois sortes d'hameçons Yo Hero pour le feeder avec un carbone 110, c'est-à-dire 11% de carbone dans l'acier, avec un piquant très, très fort, qui s'émousse pas, qui s'ouvre pas, qui casse pas. C'est une très très belle série. On a mis quelques temps pour sélectionner ça avec la direction, mais c'est vraiment des hameçons très très intéressants. Bien sûr, la gamme a été complétée par toute une qualité d'hameçons pour les différentes pêches en eau douce. Donc avec ardillon ou sans ardillon, on a aussi des hameçons rouges, et des hameçons forgés, des hameçons plus ou moins ouverts. Je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son compte pour toutes les pêches possibles aujourd'hui que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Voilà, à bientôt.